Messieurs, dames, et amis, frères, accès aux patriotes, moi, tous amis collaborateurs, toutes et fanatiques qui suivent nous tout partout dans le monde, là, comment nous y est, espérer nous tout en forme. Et je dis à ce samedi qui 7 septembre, et ce week-end, qu'on est en pile haïtien, remet prendre plaisir, nous pral enjoy nous pendant ça, nous connaissons nous mériter ça. Après nous fin passé, yon semaine, n'a travail dit, et mais il nécessaire pour nous reposer, nous, pour nous capables de défouler, nous, même pas oublier. Prends toutes mesures de précaution pour nous capables de protéger tête nous, protéger l'environnement et surtout, et nous gagnons maman, papa, petite, madame, famille, capitaine, nous dans Kaila. Mais c'est responsabilité nous, et mais pour nous capables de protéger tête nous. Si vous même vous pral boire, pas conduit, sous pral conduit, pas boire. Nami quoi, c'est toujours petit frère, Zama, merci Dieu. Moi, pote pour nous quelques parmi nouvelles qui a dominé l'actualité. Situation vin pi compliqué, bagayo vin pi mangomè entre la République Dominicaine avec pays Venezuela. Depuis là après élection fini dans pays Venezuela, Abinadel a fourré bouche li dans sac paré gadel qui concernait et pays Venezuela et Nicolas Maduro fâché Koukong, il était déjà menacé, il était prend une série de mesures contre la République Dominicaine. Et dans semaine ça, pays Saint-Domingue remet un avion gouvernement Venezuela te gen dans pays et Saint-Domingue, il remet li bay les États-Unis. Eh bien, pays Venezuela menacé la République Dominicaine. Et hier vendredi, Luis Abinadel répond pays Venezuela. Qui ça bagay la? Gagné ministre intérieur justice avec la paix pays Venezuela. Diosdado Cabello qui menaçait la République Dominicaine. Nous connaissons pays Venezuela, c'est un gros bout de tonton dans affaires pétrole. Mounsa est très riche en pétrole. Et majorité pétrole que Saint-Domingue utilise, eh bien, c'est dans le pays Venezuela qui sorti. Et surtout, le pays Venezuela qui a une raffinerie pétrole en République Dominicaine. Et bien, Diosdado Cabello fait la République Dominicaine qu'on est. Et bien, c'est dans le chemin gêné, il y a un choix malin. Et le fait Abinadel songer, c'est le même qui gagne pétrole. Ça veut dire que, et s'il dit, c'est dans le chemin gêné. Il y a un choix malin pour permettre nous tendre Diosdado Cabello côté le fait qu'on est en espagnol pour faire ça dit en la bajaita tiarardo. Je dis ha 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 en la bajaita tiarardo. Dans le chemin gêné, il y a un choix malin pour permettre nous tendre Diosdado Cabello. Et bien hier vendredi, Luis Abinadel répond pays et Venezuela. Qu'on a gros menace que Diosdado Cabello, ministre intérieur, justice avec la paix pays Venezuela, côté lui fait qu'on est que qualité accusation saoudienne menace à pas déranger la République Dominicaine. Abinadel fait Venezuela qu'on est, yo même yo travail dit, et la République Dominicaine gagne une bonne économie, yo gagne l'argent, si yo même yo gagne l'argent, yo capable acheter nommé c'est ça que Abinadel lui-même lui fait qu'on est et Saint-Domingue il travaille dit pour le peuple dominicain capable d'avancer et au même il y a l'argent économie pays Saint-Domingue là lui-même lui bon pour menacer Diosdado Cabello que Venezuela lui-même lui gagne et pétrole Abinadel te rappelle que bien que Saint-Domingue pas gagne pétrole mais économie noire pi bon passé pays Venezuela. En nous tendant Diosdado Cabello, et puis tout de suite, je vais permettre nous tendre qui réponse que Luis Abinadel lui-même lui débaille. Robó un avion de Venezuela, no es el primero, es el segundo que se roba. Uno siempre dice, yo te agarro una bajadita. Hi, hi. Hi, hi. Yo te agarro una bajadita. Y a los gobiernos del gobierno de Dominicana, hi, hi. Yo te agarro una bajadita. Siempre pasa. Siempre pasa, lo que tenemos petróleo somos nosotros. Bueno, la República Dominicana ha trabajado para mejorar la calidad de vida de su gente, disminuir la pobreza y en los últimos años ha llegado a ser la séptima economía de Latinoamérica, sin tener petróleo, sin tener hidrocarburos, pero con un gobierno que trabaja a favor de su gente, con transparencia y respetando
la democracia y los derechos humanos. No tenemos petróleo, pero nuestra economía es mayor que la de Venezuela. Así que vamos a seguir defendiendo los principios democráticos ahora en el gobierno y lo seguiremos defendiendo siempre, donde sea, hasta que vida tengamos. Y seguiremos defendiendo también esos derechos democráticos y siendo empáticos con la situación de Venezuela, no importa quién opine lo contrario o quién pueda tener algún tipo de amenaza que no nos molesta en lo más mínimo. Joseph Domingue Ojila, qui est président du Conseil national Société civile haïtienne, Ahmed Camille Oxius, directeur exécutif Organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti, OCNH, c'est deux parmi plusieurs leaders qui saluaient visite secrétaire d'État américain Anthony Blinken en Haïti. M. Camille Oxius souhaitait toutefois autorité de pays au travail sur ce qui est discuté. Visite ça, les témoigner. Les témoigner comment le gouvernement américain lui-même lui montrer lui gagne un souci par rapport à ce qui a passé en Haïti ya. Mais seulement ça nous fait connaître que c'est ma première fois et après mode de visite ça mais même nous croit visite ça lui gagne une importance capitale soit nous c'est ouais tout ça a été discuté dans cadre visite ça. Et ni bon côté gouvernement haïtien, ni bon côté gouvernement américain, ils travaillent pour permettre à ce qu'ils mettent tout ça au dit dans un compte-là en application. Bon côté PAL, Joseph Domingue Ojila dit l'abtente gros coup de main dans main américain par rapport à problème insécurité. C'est renforcer les forces de sécurité, l'armée et la police, pour nous créer ça nous le Conseil national de sécurité. Pour nous reprendre sécurité pays. Et pour nous, dans le conseil là, sécurité pays a trois composantes là-dedans. Faut sécuriser pays sur le plan frontalier, faut sécuriser pays sur le plan maritime, faut pays sécuriser sur le plan aérien. Ça veut dire là, nous même n'attend aide américain yo aider nous dans sens ça. Ça pas bien longtemps depuis les États-Unis d'Amérique te fait police nationale d'Haïti un cadeau plusieurs véhicules Jeep tout-terrain à l'autre pour renforcer capacité opérationnelle intervention policière. Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince.